pense que ça peut être une bonne idée. Le match débute à l'instant, on mentionnera les arbitres un petit peu plus tard. Clément, je vais déjà... Knightskey. Voilà, passe interprétée par Schalke. Il y a beaucoup à jouer pour les Servettiens. Schalke qui va à l'entrée de la surface, Schalke qui rentre dans la surface. Qu'est-ce qu'il va faire? Un tir de Schalke. La première demi-occasion de cette partie, un tir quand même bien à côté des buts de Valtert, mais ça part d'une relance totalement manquée de Jemaili, le central de Châtellois. Ouais, aussi une très bonne anticipation d'Alex Schall qui avait senti justement la potentielle mauvaise passe et qui avait... Ça a eu une grosse action chaude. Schall qui a tenté un tir tout à l'heure, c'est tout ce qu'on a sous la dent dans ce quart d'heure. Peut-être là avec Tazar à l'entrée de la surface, une frappe de Tazar. Magnifique frappe de Tazar. Une frappe magnifique de Varol Tazar. Il est revenu au jeu, il marque. Un coup de pied magnifique à 20 mètres des goals de Valtert et ça fait 1-0 pour Servette. À la 15e minute de jeu, elle vient totalement de nulle part cette frappe. Servette a été plutôt timorée dans ce premier quart d'heure. Mais là, Varol Tazar vient de montrer pourquoi il devait être titulaire dans cette équipe. Ouais, bah, c'est marrant, on en parlait dans la voiture, on en parlait même au début de la retransmission. Varol Tazar, qu'on a eu à l'interview hier, qui a été d'ailleurs très sympa à l'interview, je lui ai mentionné, c'est que Servette n'est pas un grand fan des terrains synthétiques, donc autant en profiter, alors que la Rouillée nous a fait un coup franc, alors qui est finalement extrêmement bien joué, mais ça partait extrêmement mal. Et du coup, le ballon est à l'oreille des 16 mètres, là-bas, au niveau de l'angle, ça doit être probablement Schalke ou Gonzalves, une frappe. Un goal! Et là, alors de nouveau, un but qui sort de nulle part. Qui c'est qui le met au fond? C'est Ondoua. C'est Ondoua qui était dans la surface. C'est Gaël Ondoua. Est-ce que c'était sur Schalke ou Gonzalves? Je sais pas si t'as mieux vu que moi. Ah, je pense que ça devait être Gonzalves. Enfin, j'arrive pas à vous dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est Ondoua qui a repris un ballon du pied gauche dans la surface. Un peu du plat du pied, comme ça, première intention. Et ça fait 2-0. Est-ce qu'on n'est pas en train de revivre le scénario du match aller à l'inverse? 2-0, il y a des buts à remonter. C'est ce que Geiger avait fait d'ailleurs. J'allais le mentionner. Et alors que là, bon tacle de Tazar au milieu. Alors que là, par contre, le numéro 27, la Zemaili a volontairement. Il a joué de Koné. Alors que oui, Koné qui a débordé du coup. On reviendra sur l'action après. Koné sur le côté droit là-bas. Centre peut-être. Non, il le frappe au premier poteau. Et ça sera un corner. Oui, effectivement. Ça a été donc touché par un pied. Xamaxien. Oui, Tazar qui avait bien taclé au milieu de Xamaxien. Ça part de là. Hein, et Zemaili a sauté par-dessus. Il s'est pas gêné de mettre une semelle finalement. Le ballon, le lob. On en revient au niveau du numéro 4 qui n'est autre que Netske. Récupération servettienne avec un ballon dans l'axe. Là, c'est Koné. Il y a une faute sur le terrain. Il y a l'avantage qui est laissé. Koné qui va pouvoir frapper. Et la claquette de Valter, ça va peut-être sortir en corner. Ça sera protégé par un Servettien. Non, le ballon n'est même pas sorti. Du coup, Servette continue. On revient en arrière avec Sautier. Sautier qui... Il m'avait visité tout à l'heure en venant. C'est vraiment à côté avec ce Camber qui va centrer une tête de Nuzzolo. Ouh, ça passe juste à côté. C'est clairement l'occasion la plus franche. Hein, dès que ça maxe, 41e minute de jeu. Alors peut-être qu'on la voit un petit peu plus proche. Du gros travail à faire. Une très, très bonne récupération de Rouillet dans le long central. Imery qui décale côté gauche. Un Servettien. Ça sera peut-être un centre. On est au niveau des 16 mètres. Un centre à terre. Ça traîne. Valter qui renvoie. Et non. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois être effectué par Sédou. Voilà qui est fait vers Ramidi. Ramidi sait contrer son centre. Mais il va récupérer le ballon de la tête. Il va centrer. Attention à ce ballon. C'est pas terminé pour Xamaxien devant le but de Frick. Une frappe. Et c'est goal. Essai 2-1, Xamax qui réduit l'écart là sur ce ballon. Essai Raphaël Nuzzolo, le buteur maison, le buteur habituel pour les Neuchâtelois. Et ça tombe malheureusement au pire des moments pour Servette. 50e minute de jeu, une sorte de cafouillage après un centre. Alors on indique que c'est Gaëtan Carlon, mes excuses. Il y avait beaucoup de Neuchâtelois dans la surface, on n'a pas trop compris ce qui s'était passé. Là c'était loin de nous. Mais finalement, un ballon qui vient juste lober, le Servettien qui était sur la ligne de but de Jérémy Frick. Et donc ça fait 2-1. L'écart est réduit et maintenant, il va falloir se montrer. 1819 spectateurs annoncés. Il me semblait que je ne comprenais pas ce que le speaker annonçait maintenant. Et là, c'est une bonne possibilité pour Servette. C'est du 2 contre 1, mais il y a beaucoup de Neuchâtelois qui reviennent très vite. Tazar ne l'a pas senti, mais il arrive quand même à passer. La frappe est renvoyée par Valter juste devant lui. Il y a danger dans cette surface. Ramidi qui arrête sa course d'élan. C'est beauté, il y a une tête Xamaxienne. Oh, c'est juste à côté. Alors je l'ai vu dedans. Ouais, tout le banc Xamaxien, il a vu ouais, dedans. Alors perso je l'ai vu dedans, mais la tête est juste à côté. Mais il était quand même. Alors ça devait être marché.
me rappelle, c'est son premier match, André Macopi. Donc 60 minutes, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors que là, la relance est complètement manquée par les Servettiens. Ça donne un ballon avec Saint-Max. Ça sera dans la profondeur peut-être pour un centre. Ça sera très long. Ça va arriver quand même au deuxième poteau. Frick, et oui, Frick. Jérémy Frick encore et toujours qui vient de poser une immense plaquette encore pour sauver les Servettiens. Magnifique. Ça sera le cinquième corner pour Aix-en-Maxien qui sont survoltés devant leur COP. Exactement, comme dirait notre ancien conseiller fédéral. Allez, avec Nietzsche à 30 mètres des buts qui attend une solution. Il va centrer au deuxième poteau. Aix-en-Maxien qui est seul. Une remise pour Nuzzolo. Une reprise de Nuzzolo. C'est juste à côté. Qui a fait son apparition. Qui a l'air de jouer à droite pour l'instant. Gros tacle, mais sur le ballon, ça me semble assez juste de la part de Carlon sur Gonzalves. Du coup, Doudin qui tente un centre au deuxième poteau. Par contre, là, je pense que le Xamaxien a touché de la main. Il n'en est rien. Le ballon est toujours en cloche, traîne à l'orée des 16 mètres. Personne n'arrive à le toucher côté Servettien. Il y a une chute dans les 16 mètres et pénalty. Alors, je suis pas convaincu et je pense qu'on va peut-être avoir droit à une séquence vidéo. Rouillé et Sasso qui viennent tout de suite. Ouais, Frick aussi, mais il ne fallait pas prendre les cartons, tant qu'à faire. Mais à mon avis, on va avoir droit à une petite séquence vidéo. Je suis pas sûr qu'il y ait grand chose. J'ai l'impression que Saint-Maxien se laisse bien tomber. Ah, c'est notre Zolo. Hein. Ce qui est en soi pas une grande surprise. C'est un excellent joueur, mais qui en a peine. Et le pénalty sera donc pour les Saint-Maxiens. C'est frappé et c'est plein axe. Et c'est goal. Vous l'entendez sûrement derrière nous. Avec Jérémy Frick là, qui vient de coller une droite et qui va se faire expulser, je pense. Il vient de coller une droite à un Saint-Maxien qui a voulu lui reprendre le ballon. J'ai pas vu, il y a un carton, ça il a pris le jaune. Ouais. Il me semble qu'il a pris le jaune. À mon avis, c'est typique de genre d'action qui doivent faire lever une séquence VAR. Jérémy Frick, il a repoussé très violemment Cogna dans le rond central, peut-être. Ouais, ça doit être gentiment terminé. À mon avis, Monsieur Horisberger va siffler la fin de ce match. C'est effectivement le cas. De partout donc. Difficile de dire si c'est un bon ou un mauvais de partout. Parce qu'il y a quand même énormément de mieux dans le jeu pour Servette. C'est pas du tout le même genre de match que ce qu'on a pu voir ces derniers temps, mais ça fait toujours un match nul, toujours pas de victoire pour les Grenades.